Salut, salut. Content de te savoir sur ma chaîne en ce moment. Je suis Francis Kimo. Dans cette vidéo, nous parlerons de la quatrième dimension de la gestion des services selon le référentiel ITIL. Il sera question de la dimension flux de valeur et processus ou encore dimension opérationnelle. Qu'est-ce qu'un flux de valeur? Qu'est-ce qu'un processus? Quel est votre modèle opérationnel? Nous commençons dans un instant. La dimension flux de valeur et processus met un accent sur l'organisation efficace des différentes activités afin d'apporter de la valeur aux parties prenantes. Par conséquent, il est nécessaire de disposer d'un modèle opérationnel qui organise de manière efficace l'ensemble des activités de gestion des produits et de services. ITIL offre aux fournisseurs de services un tel modèle appelé chaîne de valeur de service. Les modèles au sein de l'opération chaîne de valeur de service sont appelés flux de valeur. Un flux de valeur est une série d'étapes qu'une organisation utilise pour créer et fournir des produits et services à ses utilisateurs. Les flux de valeur sont caractérisés par une amélioration des performances, une meilleure compréhension de son système de production, une augmentation de la productivité et une amélioration continue. Parlant de performance, les flux de valeur aident à améliorer les performances globales de l'organisation. Par conséquent, il est essentiel d'identifier et de comprendre les différents flux de valeur existants dans l'organisation. Pour ce qui est de la compréhension globale, les organisations doivent structurer leurs services et leurs portefeuilles produits en fonction des flux de valeur. Ceci dans la mesure où ils apportent deux avantages principaux. Premièrement, il permet de comprendre quelle valeur l'organisation apporte et surtout comment. Deuxièmement, il est utile d'améliorer constamment ses produits et services. Pour ce qui est de la productivité, les flux de valeur aident les organisations à analyser la manière dont elles effectuent leur travail. L'analyse permet de détecter les déchets dans les flux de travail actuels, tels que les obstacles liés aux activités sans valeur ajoutée et d'augmenter les activités à valeur ajoutée. Imaginons que les ressources humaines d'une organisation veuillent recruter un nouvel employé pour un poste nouvellement créé. Une demande est rédigée et envoyée à la direction générale pour validation. L'employé est recruté et qu'il faille à nouveau rédiger une autre demande à la destination de la direction générale pour l'acquisition de son matériel de travail et même l'aménagement de son bureau. Quelle est la valeur de cette nouvelle demande? Une bonne pratique serait de rédiger une demande unique où l'ensemble du besoin, recrutement, aménagement de l'espace de travail, acquisition du matériel de travail est définie. Ainsi, le OK de la direction générale serait un OK général pour l'ensemble du besoin, ce qui éviterait de faire des validations multiples, d'où des pertes de temps, car il est inimaginable qu'on recrute un employé sans qu'il ait le matériel pour travailler. Parlant d'amélioration continue, les flux de valeur doivent être continuellement améliorés ou affinés afin de répondre de manière optimale à la stratégie de l'entreprise et à ses objectifs, ainsi qu'aux besoins des utilisateurs. Nous avons parlé de flux de valeur. Qu'est-ce qu'un processus? Un processus est un ensemble d'activités interdépendantes ou en interaction qui transforme des données d'entrée en données de sortie. Les processus définissent la séquence des actions et leurs dépendances. Un processus prend une ou plusieurs données d'entrée définies et les transforme en données de sortie définies. Restant dans le domaine des RH, un processus de recrutement peut se composer des actions suivantes. Identifier les besoins, rédiger et poster l'offre d'emploi, réceptionner les candidatures, évaluer et sélectionner les profils correspondants, mener les entretiens, premier, deuxième, troisième entretien, sachant que les entretiens peuvent être téléphoniques ou en face à face, prévoir d'éventuels tests ou des prises de référence, sélectionner le candidat qui rejoindra l'équipe, intégrer le nouvel recrue dans l'organisation. Appliquée aux produits et services, la dimension flux de valeur permet de répondre à quelques questions essentielles à la conception, à la fourniture et à l'amélioration continue de nos produits et services. Quel est le modèle de prestation générique du service et comment fonctionne-t-il? Quelles sont les sources de valeur impliquées dans la fourniture des résultats convenus pour un service? Qui ou qu'est-ce qui effectue les actions de service requises? Les réponses à ces questions varieront en fonction de la nature et de l'architecture du service. Nous avons compris que la dimension flux de valeur et processus
met un accent sur l'intégration et la coordination du système de valeur en général et des produits et services spécifiques. Elle définit les tâches, les flux de travail, les contrôles, les procédures nécessaires pour atteindre les objectifs convenus. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où nous parlerons des facteurs externes à l'organisation, ne dépendant pas de celles-ci, mais ont une influence certaine sur son fonctionnement quotidien. Bye bye.